Eric Castonguet, félicitations pour la victoire. Une très belle semaine pour le HCCR, 8 points en 3 matchs. Est-ce que ce soir, on est quand même un peu frustré d'avoir perdu un point ou alors on est fier d'avoir pu réagir et avoir égalisé dans la dernière minute? Je pense les deux. Comme tu dis, oui, c'est frustrant. On a eu beaucoup de chance ce soir pour gagner, mais il faut donner crédit à Ticino. Je pense qu'ils ont joué un très bon match. Ils ont bien joué leur système. Puis c'est des gros points parce que c'est un but en fin de match qui est 6 contre 5 qui nous permet de continuer d'avancer. Puis on va prendre tous les points qu'on peut cette saison. Votre ligne avec Thibaut Monnet et Tomáš Dolana a été très en vue aujourd'hui, mais ça a manqué un peu à la finition. Toi, personnellement, les Ticino Rockets, c'est une équipe qui te convient bien. Les 3 matchs cette saison, t'as marqué? Oui, avec Thibaut et Dolana, je pense que c'est un gros... Cette saison, on en manque plusieurs, mais on continue de travailler fort. Danny nous avait séparés dernièrement. Mais les deux derniers matchs, on a joué ensemble, puis les chances sont là. Il faut continuer de travailler fort. Puis pour ce que tu es de Ticino, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe contre eux. J'essaie juste de jouer tout le temps le même match et garder ma game 5. Un petit mot sur Guillaume Asselin. Hier, il a joué avec Genève. Est-ce que tu as pu suivre cette performance? Et si oui, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ton coéquipier? Oui, bien sûr. J'étais devant la télévision toute la soirée avec ma femme. On était très, très contents pour lui. Il mérite amplement. C'est un des top joueurs de la Ligue, un des meilleurs étrangers. Puis il mérite. On est content pour lui. Je pense qu'il travaille fort. C'est beau les points, les assists, mais c'est une personne dans les pratiques qui est toujours là, qui travaille toujours fort. Puis je suis très, très, très fier de lui, comme tous les joueurs dans l'équipe. Je pense qu'on souhaite le meilleur pour tout le monde, puis surtout pour Guillaume. Merci beaucoup, Eric, et profitez bien de ces quelques jours de repos jusqu'à mercredi.